Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme, ce nouvel épisode de Starbound D4, please, Giraffe, toujours dans le vaisseau que nous sommes en train de remodéliser, remodeler, remettre au goût du jour. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, chers amis? Donc, fallait que je fasse donc cet étage-là. Je vais le faire. Cependant, je me demande exactement ce que je peux vraiment y rajouter. Parce que bon. Ou alors... Ah oui, je suis full en plus. C'est ça. Je vais virer tout ce qui est lumière en fait, les fameuses lumières qui ne servaient pas. Je voulais voir ça ressemblait à quoi ça, d'accord. Voilà, voilà. Donc, je récupère. Alors c'est dommage parce que celle-ci est pas trop mal. Et malheureusement, j'ai pas la hauteur qu'il faut de plafond. Est-ce que je suis plus ou moins centré là? Oui, je dirais que oui. Voyons voir, on va faire un petit truc. Si je place, imaginons. Imaginons que je place ça plus deux rondins. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que je passe en dessous? Oui, je passe toujours en dessous. Parfait. Mais est-ce que si je fais ça... Ça a toujours sa petite gueule entre guillemets. Oui, c'est un peu mieux. Il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Maintenant, voyons voir ce que je peux placer à côté. Hop. Ok. Et ceci pourrait aller par là. Oui, ceci pourrait aller par là. À un détail près, on pourrait pas mettre ce qu'on a mis au-dessus. Cependant. 1, 2. Alors, 1, 2, 3. Au niveau toujours du bois, je peux garder la même symétrie. Donc ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste? Il nous reste encore la robotic crafting table. Ou alors je la mets ailleurs. Mais là je trouve que ça fait vraiment poser n'importe comment, n'importe où. Hop, si je la pose là. Et ensuite je pose ce truc là. Là. Ça donne quoi? Est-ce que visuellement c'est pas redondant? Ça fait pas poser partout? Un petit peu. Ou alors la raffinerie je la mets pas là, je la mettrai ailleurs peut-être. Et la robotic crafting table je la mettrai ailleurs avec ceci. Par contre ceci je peux en mettre un doublon de ce côté là. Merde, je me trompais de choses à enlever. Hop, je peux en mettre un doublon, juste pour la forme. Hop. On va bien voir, hein. On va bien voir. Hop. Alors, on ne peut plus comment ça s'appelle cependant. Magnétique crucible. Magnétique. Je peux pas en avoir ici. Je peux sûrement en avoir un là par contre. Non, même pas. Il va falloir que je pose l'autre truc. Hop. Si. Magnétique crucible. Faites pas attention à mon accent. Hop, je ramasse ceci. Je vais en poser deux, ça évitera peut-être une espèce de redondance débile. En plus ça fait un léger décalage, donc ça va, c'est pas trop moche. Peut-être placer une console devant. Qu'est-ce qu'on a en console? Console, voilà, ça nous en fait un paquet. Big Gap Terminal, non plus. C'est dommage parce que la taille correspondrait en fait à ce que je recherche. Non. High-tech console, alors faudrait que je vois les couleurs par contre, c'est gris, c'est pas bleu. Iron console, c'est bien gris, mais... On va en crafter deux comme ça, pour voir ce que ça donne. Tech console. Vrai que terminal. Donc si je mets terminal,
Oula. Hot post terminal, ça donne ça. Peut-être un petit peu trop foncé, c'est ce qui m'inquiète avec ceci. Ah non, ça va. Non, ça va, c'est pas trop trop moche. Par contre, ça jure un petit peu avec le fond. Bon, c'est pas trop trop moche. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose d'un peu plus justement Tiens, je sais ce que je pourrais rajouter peut-être. Hop. Est-ce que ça va marcher comme je le demande? Ou alors je prends pas ceux-là. Alors, on va aller voir le comment le. Hop. 3D print, voilà. Vous allez voir. Vous allez voir. Ah, ceux-là sont sympas. Excusez-moi. Ceux-là aussi. On va partir sur ces deux choix-là, mais je pense que je vais en mettre qu'un, bien sûr. Alors, la question est maintenant, est-ce que je vais placer celui-ci? Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas le placer autrement? Pourquoi pas? Alors, voilà. Et il veut pas changer de sens sur cela, c'est marrant. Voilà. Et donc, si je pouvais par exemple faire ceci, est-ce que ça marcherait? Oui. Bon. Alors de ce côté-là, c'est cool. N'inquiétez pas pour les portes, on reverra ça. Donc ici, on a déjà mis un truc de minage. Là, on a mis ceci. On a donc avoir besoin d'emplacement de coffre pour tout ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Excusez-moi. J'en chie un petit peu ce matin. Alors, ou alors je fais un... Un grenier, qu'est-ce que je peux faire pour le grenier? Un truc qui est de la gueule. Un truc qui est de la gueule. C'est pas ici que je vais le trouver. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai vu quelques petites idées qui pourront être en rapport avec les autres postes. Ça peut être sympa. Chain plate, chain prop. Donc ça non, tout ce qui est en or non. Non, séismographe, pourquoi pas, mais ça sera pas ici. Splendid tower, travelers meter, vibrant plant. L'encre non, certainement pas. Blood bank non plus. Non plus. Non plus. Absolument pas. Prendre ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Voilà. Pour le reste.
Pour le reste, ça me semble plutôt bon. Green red light. Pourquoi pas, c'est très bizarre, mais pourquoi pas. Ok. Faut trouver ce qui correspondrait le mieux. Et croyez-moi, j'ai des doutes. En tout cas, j'ai de moins en moins de doutes sur ce que j'aimais dans certaines. Dans certaines zones. Là, je sais d'en avoir besoin, ça non. Ça oui. Alors. Déjà, on va partir avec ça. Alors, toutes ces saloperies dont je n'ai plus besoin. De toute façon, au pire, on les retrouvera plus tard. Hop. Alors. Crac. Ici, nous avons. Est-ce que j'ai la place? Oui. Ça, j'ai la place. Ça, je n'aurai pas la place. Hop. Ça. Non plus. Sauf si je les mets là. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Ok. Voilà. Ah, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens, celui-là. Allons faire ça. Hop. Est-ce que j'ai la place? Oui, j'ai la place. Parfait. Eh ben, c'est pas trop moche, je trouve. Ça remplit bien, mais c'est pas trop moche. Bon, alors ici, on a dit. Donc on va avoir besoin de beaucoup de trésors, ce qui fait qu'en fait comme on a mis le truc ici, j'ai ma petite idée sur ce que je vais mettre. Dans les coffres. Alors je pense qu'on va. J'avais envie de mettre ça. Il est possible qu'on mette ça donc. Ou alors celui-là à côté. Ou les deux. Allez voir. Ça devrait pas rendre si mal que ça. Hop. Voilà. Et voilà. Effectivement, ça fait un peu vide en fait derrière. Est-ce que je peux par exemple. Hop. Voilà. Est-ce que je peux par exemple remettre. Est-ce qu'on peut mettre. En remettant un petit peu. En restant dans la redondance classique. Est-ce qu'en remettant ça derrière, ça amoindrit la chose? Ou est-ce que ça la rend pire? En l'occurrence, ça la rend un peu pire. Sauf si. Voyons voir. Est-ce que je peux en placer deux? Ah oui, c'est pas les bons. Merde, il faut que je retrouve ceux-là. Spot. Spot. Non. Faut que je les retrouve. J'ai cru les voir justement. Non, c'était les caméras, ça. Où es-tu? Trou du cul. Les voilà. Display light. Voyons voir. Si je rajoute les display lights sur les trésors, ça peut rendre pas si mal. Je crois que je peux en rajouter qu'une en fait.
Donc au final, rajouter une normale serait mieux. C'est presque dommage. C'est presque dommage. Ou alors, juste pour la blague. Mais ça n'a rien à voir là en fait, c'est ça le truc. Qu'est-ce que je peux rajouter au milieu? Je voulais rajouter des trucs comme ça aussi. Ah, celle-ci est plus large, c'est marrant. Ah, c'est parce que je l'ai peut-être pas mis dans le bon sens au final. Voyons voir. Si je veux rajouter au même endroit. Mince, parce qu'elle est passée. Là. Ça. Et ça. Il faut que quand je prenne ça. Ah non, ça veut pas. C'est marrant ça. Marrant ça. Ah merde, j'ai cassé les mauvais cubes en fait. Quel con. Quel con! Donc faudrait mieux pas que je les mette là, faudrait que je les mette devant. Bah, je vais les mettre devant, c'est pas grave. C'est pas ici que je voulais la mettre. Ah, ma lumière! Mais non, je casse tout! Du coup, bah, je vais les mettre un peu plus devant. Peut-être même mieux rendre comme ça. Hop. Voilà. Bon, bah, ça, on verra si ça rend mieux une autre fois. Quoique. Peut-être en rajouter un, genre là. Ouais, non, il y a déjà une aération avec la fenêtre à côté. C'est un peu naze. Ça fait redondant aussi, là. Encore une fois. Non, mais on va laisser ça comme ça. Bon, alors là, par contre, il y a un problème. Là, il manque quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que ça rend mieux? Tout est relatif quand même. Ça rendrait pas. Ben on va partir là-dessus, je pense. Je suis pas satisfait, mais. Oh, quoique. Quoique, est-ce que ça. Est-ce que si je rajoute le même entre guillemets gimmick ici, si c'est faisable? Non, c'est pas faisable. Et donc la même barrière par contre. C'est pas faisable non plus, c'est dommage. Bon. Bon. Là il manque des choses aussi. Je vois ça que maintenant, mais il manque des choses. C'est intentionnellement posé pas au milieu en fait. Hein. Soyons clairs. Rendons la chose un peu plus. Faut pas grand chose des fois hein, pour. Alors, faisons ce bâtiment. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bâtiment? Alors. Hop. On va garder toujours le même principe de bois, hein, vous inquiétez pas.
Par contre, j'avoue que je suis embêté. Je sais qu'il y a les fameuses plateformes mouvantes qui vont arriver bientôt avec les... Enfin, qui vont arriver bientôt. Qui vont arriver dans la prochaine mise à jour. Je sais pas quand exactement, malheureusement. Mais bon, vu ce qu'ils nous montrent en ce moment, je me dis que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Ce qui est une bonne chose, mais bon, ça me fera faire des escaliers, entre guillemets, pour rien. Donc actuellement, il nous reste deux wagons, si je me trompe pas. Ce tout petit-là. Et le tout grand derrière. Le tout grand, dont j'ai déjà une idée de ce qu'il va comporter dedans, entre guillemets. Ce sera vraiment une soute, tout ce qu'il y a de plus classique. Cependant, je vais aller... Hop, je vais aller ici. Comme nous sommes en... Comme nous sommes en... Comment dire? En... Hop. Alors, est-ce que je l'ai pas équipé? Oh, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Voilà. Donc il nous en reste deux petits wagons. Actuellement, nous avons un living room, une zone de comment de craft et un wagon locomotive, on va dire, qui sera le début vraiment avec quelques places qui soient dans le déplacement pour rester entre guillemets dans l'image. Donc ce qu'il nous faudrait, ce serait donc maintenant des habitations avec le comment le confort qu'elles doivent avoir. Hop. Et potentiellement donc une salle entre guillemets de vie. Plus les différents comment dire organismes qu'on a retrouvés dans un vaisseau. Pour la survie de l'équipage, on va dire. Donc, il nous faut un médecin de bord qu'on mettra, je pense, aussi dans cette zone. Hop. Et là, vous devez vous dire comment il va réussir à intégrer un médecin de bord. Si. Hop. Alors, attendez, il faut que je fasse là aussi. Ah mince, je l'ai fait une case trop loin. Ah, il me reste un cube aussi. Bon, bah, ça tombe bien, j'ai des trucs à enlever. Il faut que je réussisse à intégrer, entre guillemets, un médecin là-dedans. Hop. Oh. Hop, les, voilà. Toujours au même endroit, j'aimerais donc garder aussi ceci. Parfait. Pourquoi pas garder l'espèce de redondance qu'on avait faite ici aussi? Ah mince. Crac. Ceci. Là. Ça, je le passe. Hop. Ça aussi. J'avais pas vu qu'au milieu il en restait. Hop. Ce qui tombe assez bien puisqu'il fallait que je les enlève.
Hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, est-ce qu'on peut garder une espèce de d'uniformité entre guillemets en mettant ça là? Oui, ça se passe plutôt bien. J'ajouterais bien ceci là. Du coup, j'enlèverai cela. Hop. Maintenant, la question est comment est-ce qu'on organise entre guillemets tout ça? Est-ce qu'on fait des habitations d'un côté et une chambre, enfin comment une salle d'eau à un étage plus à côté ou au-dessus de la salle d'eau, une espèce de zone de île, ce qui pourrait être cool. Est-ce qu'on intègre Oh. Oh, j'ai des petites idées qui arrivent. Oh là là. Oh là là. Faut voir combien d'étages je peux faire par contre. Alors. Et hop. Normalement, c'est 2, 2, 1. Voilà, c'est ça. N'inquiétez pas pour le fignolage, on le fera après. Là, comme d'habitude, j'aurai besoin du même gimmick de base. Est-ce que je fais un étage complet? Oui, je ferais bien un étage complet en fait. Hop. On verra ce que ça donne, hein, c'est pas grave. Je ferai le fignolage à la fin, vous inquiétez pas. C'est juste histoire de pouvoir monter en fait et de faire mes étages. Hop. Alors, 2, 2, 1. Où est-ce qu'il est, mon bout de bois? Voilà. Voilà. Crac. Pareil ici. 2. 2. 1. Toujours pareil. Hop. Et avec un peu de chance. 2. 2. 1. Parfait. Parfait. Parfaitement parfait, comme moi. Je suis l'être parfait. Non, je ne suis pas le cinquième élément, chers amis. On se calme. Alors, comment je vais faire pour mettre ce petit bout là? Ah! Bon, je le mettrai à la fin. Hop. Ou alors je mettrai le reste d'abord. On verra ensuite. Hop. Voilà. Parfait. Ce qui fait que derrière je peux rajouter en spammant le clic droit. Voilà. Donc on a un total de 1, 2, 3, 4 étages. Ouais, ok, j'ai. Parfait. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode de cette session. Moi je vais entendre un deuxième juste derrière celui-ci, donc celui-ci, pardon. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à pouce-vériser, à commenter, à partager la vidéo, à rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom pour participer donc au serveur, donc sur le serveur. Oh j'en chie à faire mon outro. C'est la première outro de la journée, c'est violent.
Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Steam si vous voulez simplement participer à une session de tournage ou encore rejoindre le groupe Steam, rejoindre le serveur. Je vais y arriver, j'en chie. Rejoindre le serveur donc de la chaîne communautaire. Donc ça c'est pas très très dur, vous ajoutez bien quand même, je vous le réexplique parce qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Faut rajouter l'adresse IP et ensuite le port dans la petite case juste à côté. Pas besoin de mot de passe, pas besoin de nom de compte, vous rentrerez dedans sans problème. Donc voilà les amis, encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, il aura été laborieux ce tout trop.